En ténor Firmin, à l'instar de Jean-Jacques Dessalines, est une figure méconnue qu'on continue d'utiliser à toutes les fins en Haïti. Après perdre l'indépendance, 19e siècle, pour Capoua, le personnage principal, central, là, c'est Firmin. Ce documentaire le présente dans un monologue imaginaire. J'étais en train de revoir ma vie défiler. Je vais te la raconter pour que tu la racontes à tes fils dans un pays à la mémoire trop courte. Il nous relate les péripéties de son intense et héroïque vie de scientifique, de politique, d'homme d'État, de guerrier et de visionnaire disruptif. Louis-Joseph Janvier et le docteur Aubertin me présentèrent en 1884 à la Société française d'anthropologie. Afin de combattre ceux qui présentaient les Noirs comme appartenant à une race inférieure, je rédige de l'égalité des races humaines, j'ai 35 ans. J'ai un collègue dans le département African American Studies qui mettait Firmin en dedans tout couillot en ces plans. Je démontre qu'il n'y a pas de hiérarchie des races et qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Je le fais dans la citadelle du racisme scientifique. Je le fais devant la crème de la crème de la suprématie blanche. Quelle audace! Firmin a empêché l'aliénation d'une partie du territoire national et défendu la souveraineté du pays. Ce monde qui t'a voulu et qui t'a montré le ministre, c'était combattre la corruption. Au niveau patriotiste qui résistait à tout assaut extérieur de forces étrangères sur le pays. J'avais pris les armes pour la quatrième fois, malgré mes convictions légalistes, pour défendre la légalité précisément. Je n'étais pas un beau parleur. Anténor Firmin a démontré dans les faits, quand il était ministre, qu'une autre Haïti est possible. Il met l'ordre dans les jeunes douaniers fonctionner. Mais l'échantillon, ça a été affirmé, c'est fort de faire propre tête. Une démocratie sans liberté est tout aussi absurde qu'une démocratie sans égalité. Ce film aurait pu s'intituler L'Haïtien qui, au 19e siècle, avait prédit l'occupation américaine, prédit l'arrivée au pouvoir de Barack Obama aux États-Unis et les chefs d'État de la dégénérescence en Haïti. Anténor Firmin a bel et bien existé. Ce n'est pas une invention. Un documentaire d'Arnold Antonin. Bientôt sur vos écrans.